Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve donc avec Cyril. Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite interview avec notre ami Cyril. Oh, je me touche les tétons. Bon débarras, ça y est. Bon bah lui non, il va pas venir nous gonfler toutes les 5 minutes. On va se poser un petit peu pour la question. Alors, première question, donc que penses-tu de Conquerax? Donc Conquerax, on m'a posé la question plusieurs fois. C'est un truc tout naze. C'est ce que je méprise le plus. Voilà. En plus, une petite bite. Deuxième question. Donc pourquoi fais-tu la full set PS1? On m'a posé la question plusieurs fois. Oui, donc je fais un full set sur PS1, mais pour tout dire, en fait, en début d'année dernière, je connaissais pas la bite. Donc j'ai découvert un peu ce terme-là avec la chaîne de Boya. Qui fait le full set de bits. On m'a posé la question plusieurs fois. Tu vas faire un full set de bits? Eh bien oui, voilà. Donc, comme je l'ai dit précédemment, oui, c'est parti. Maintenant, oui, je peux dire. Déjà, dans l'année dernière, en cours d'année, je me suis dit, ouais, allez, je tente la bite. Mais par contre, je me donne 4-5 ans hein, quand même. Donc, j'en vois qui sont déjà depuis plus longtemps que ça dessus. Mais 4-5 ans, au moins 4-5 ans. Voilà. Donc, il y a Boya, que je trouve, ça me donne bien envie de le tester. On m'en a dit beaucoup de bien. Ok, et sinon, à part les jeux vidéo, as-tu une autre passion? Alors oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, ce qui m'attire le plus, c'est les raviolis. C'est celle que je préfère, peut-être. Oui, je peux dire ça comme ça, hein, honnêtement. C'est celle qui m'a le plus marqué, qui m'est restée le plus, qui me tient le plus à cœur. Vas-tu faire des vidéos pour montrer cette passion des raviolis? En soi, j'ai rien contre, mais j'ai un petit peu de mal avec le fait d'être... alors oui, il faudrait que je me documente un petit peu dessus parce que j'y connais pas grand chose, mais j'ai un peu peur de le côté donneur de leçons. C'est-à-dire que je suis pas le Zorro de la ravioli, je me considère pas trop comme ça. Donc après, alors, il faudrait que je me renseigne un peu sur ce qu'est vraiment la définition du ravioli. Peut-être que c'est moi qui me fais une fausse idée de ça, mais c'est pas prévu dans l'immédiat. Ou sinon, si je le faisais, ça serait sur une autre chaîne dédiée spécifiquement à du ravioli. Ok Cyril, donc ça m'a fait super plaisir pour cette interview et je te dis à bientôt. A bientôt Mister, à bientôt à toi, et j'espère que tu reviendras très bientôt, si j'ai bien compris. À bientôt, t'es pas mal pris en ce moment aussi. Allez, à bientôt. L'interview se termine ici, et je vous dis à la prochaine.